Lolita HR, c'est le manga donc, de Delphine Rieu, qui représente, donc c'est une star de rock dans le manga. Il y a des morceaux qui ont été composés pour illustrer les mangas, et donc du coup j'incarne Lolita HR sur scène avec MSL Jax qui accompagne derrière, voilà. Alors, il y a une partie où on va jouer, nous, et après Tiffany nous rejoindra. Donc, Lolita, HR. Il y a des projections des clips qui ont été faits par plusieurs personnes qui viennent du monde de l'image aussi. T'es issu de la BD, inspiré de la BD ? Ouais, inspiré de la BD, ouais. Il y a beaucoup d'images, on aperçoit beaucoup d'images du manga, et oui, tout a un lien. Enfin, ouais. Bah, en gros, de toute façon, systématiquement, déjà, on retrouve le personnage de Lolita, et oui, c'est ouais, beaucoup inspiré du manga. On pourrait effectivement rejouer à d'autres salons de la BD, tout ça, ce serait une super expérience. Non, on a joué dans un cinéma pour le même genre de projection que ce soir. On a joué dans un bar, ça serait bien passé. Et je pense que la continuité, c'est justement faire des salles de musique actuelle comme celle-là ou même des festivals. Et oui, à MSL Jax qui a fait 3 morceaux et Billy Gas Station qui en a fait 1. Les 4 morceaux. Là, c'est Delphine qui a fait les paroles. Donc voilà, il y a quand même un morceau en français.